Jean Robert n'est pas un héros, mais devrait représenter la normalité. Jean Robert, il est retraité, peu de moyens, ou des moyens pas assez grands, ou en tout cas une réflexion sur son budget qui l'a poussé à ne pas acheter pour lui une voiture électrique. Étant soucieux aussi, on a parlé aujourd'hui de transition énergétique et de pollution. Et c'était la solution qui lui semblait la plus évidente. Mais il n'a pas voulu du coup le faire seul. Et il en a parlé à des amis, tout simplement. Comme on commence, finalement, comme devrait commencer toute chose, on en parle à ses amis. Et puis, finalement, à la fin, ça devient un projet communal. Partenariat public-privé. Partenariat entre les habitants. Comme je disais, un tiers quasiment des habitants du village se sont impliqués dans ce projet. Et public, parce que effectivement, c'est la mairie qui est venue, qui a accompagné la construction de ce projet, et public aussi parce que les financements sont venus aussi l'aider. Il y a d'abord une échelle. Une commune de 140 habitants, ça permet à ce que l'intégralité, l'ensemble des habitants du village se connaissent, et des rapports qui ne sont pas du tout anonymes. Et on s'intéresse à ce que fait son voisin parce qu'on le connaît. Et en plus de cette question d'échelle, il y a une histoire et une culture. Ce village, depuis 20-30 ans, il faut savoir que les questions de développement rural et le programme LEADER est quelque part né par là-bas, ou en tout cas a été une des germes qui a amené ce programme LEADER. Et il y a une habitude dans le village de discuter l'ensemble de la vie de la commune entre ses habitants, et pas seulement au sein du conseil municipal. C'est ça. Et savoir que c'est possible que la commune est un outil à disposition de ses habitants. On parle des communs, mais le maître des communs, c'est effectivement la commune. La commune, c'est à tout le monde. Voilà. Mais parce que on est sur un projet de territoire, mais aussi un territoire de projet. C'est-à-dire qu'on va de l'avant, on imagine des choses et on les fait. Voilà. À l'échelle du territoire, on a, nous, le programme LEADER, on a accompagné une quarantaine de projets, dont deux tiers sont des projets privés et dont 80% sont des projets effectivement participatifs ou partenariaux, où on a mis ensemble et autour de la table, soit participatifs, différents habitants, la population a été impliquée directement dans la création et dans la gestion des projets, soit partenariaux où on a mis autour de la table des gens qui ne se parlaient pas forcément. Et ces projets-là ont tourné autour des services, de l'économie circulaire et de la mobilité surtout. Voilà. Et donc mobilité, on est par exemple sur la mobilité douce, beaucoup, puisqu'on le voit, la voiture c'est une solution pour un certain type de mobilité, mais reste quand même que la première des mobilités, c'est la mobilité douce à valoriser. Et donc, tant dans les déplacements quotidiens que dans le tourisme. On a travaillé sur le tourisme à pied, à cheval, en bateau. Et également les services des épiceries, qui travaillent avant tout avec les paysans du village ou des environs, de la micro-industrie qui travaille aussi en partenariat avec les agriculteurs pour ne pas aller chercher ces produits trop loin. La démarche dans laquelle s'inscrit le programme LEADER voudrait tendre à ça. La question est bien sûr, est-ce que la proportion de ce que l'on met en œuvre permet de faire effectivement infléchir une dynamique qui, jusqu'à présent, était plutôt dans des trajectoires individuelles et individualistes. L'avenir le dira.